Tessin Wento, allô, bonjour, Tessin Wento, nous dérapé là, on attend tout le monde. Branché, nous dérapé. Est-ce qu'il y a des là? Est-ce qu'on a monté avant là? Est-ce que vous entendez? Ariel, est-ce que vous entendez? Bon, moi, je pense que je vais commencer. Je suis en retard et je vais un peu de régler. Donc, je vais faire parler. Là, je ne vais pas dire trop longtemps, non, mais au moins, je vais faire parler comme d'habitude. Est-ce que vous entendez bien? Oui ou non? Oui ou non? Oui, vous entendez? Oui. Donc, on dit oui là, ok, d'accord. Eh bien, bonjour, bonsoir. Quand vous êtes à côté, vous entendez? Petite conversation que nous toujours fait chaque semaine, je dis c'est vendredi 13 et octobre, eh bien, actualité a toujours dominé à ce qui a passé en Israël, entre Israël avec Hamas, et fort les États-Unis ont fait avec une sorte de navette diplomatique qu'ils ont fait pour essayer d'éviter que le conflit ne passe pas dans l'autre côté de la région. Je dis à des gens en pile manifestation dans le monde arabe, là, surtout en faveur palestinien contre Israël. En plus de manifestation, parce que c'était un ancien leader Hamas qui était là, ça appelle pour demander dans l'occasion du vendredi, jour la prière, et bien pour monter manifester en faveur palestinien, donc contre Israël. Pour l'instant, Israël a un délai, et en fait, plus de 1 million de monde qui vivent dans le territoire de Gaza, a un délai 24 heures pour quitter la zone, et puis pour commencer une opération porte à porte. Pour la si pour le c'était capable dénicher et monsieur et groupe militant et Hamas. Secrétaire d'État de défense américain et ministre de défense américain a parlé de Lord Austin. Il trouve l'Israël côté de l'autre avec responsable, il rencontre avec ministre de défense israélien, côté avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et secrétaire d'État américain a trouvé actuellement dans Doha, Qatar, ensuite il y a pour aller dans les Émirats Arabes Unis, et puis il y a pour aller en Arabie Saoudite. Et côté l'idée, il y a rencontré en Jordanie, et roi jordanien Abdullah, et puis il y a rencontré tout avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Donc toute partie ça a fait effort que les États-Unis a fait lui-même, pendant qu'il a supporté Israël de côté, mais il a fait effort tout pour éviter que conflit à l'Ipassi Maïe dans le Moyen-Orient. Ça, c'est pour position ça. Donc, les États-Unis toujours déployé une force et un porte-avions avec toute une flotte dans la zone. Et puis, ils ont employé tout l'autre avion de guerre qui pour dans le Moyen-Orient justement pour prendre position et sous question-ci-là. Dans une autre programme de mini-actualité, c'est ici aux États-Unis, côté Congrès. À part de chambre députée, il a cherché un président pour remplacer et Kevin McCarthy rappelait que un groupe député était mis à terre sur un passé. Donc il y a besoin d'un nouveau président pour chambre députée et son républicain lidoyer parce que et candidat désigné parti républicain pour te remplacer Kevin McCarthy on a parlé de Steve Scalise. Et bien, monsieur, hier soir, monsieur réuni avec les collègues républicains, et bien, il dit lui-même, il a quitté ça, il n'a pas embarqué ça encore, parce qu'il a réalisé que, après toute consultation qu'il fait et pendant 2 jours, dans l'espace de 48 heures, et bien, le pape joint 217 voix nécessaires pour que il devienne président et chambre des députés. Donc, monsieur Cap a toujours été leader majoritaire, mais monsieur pas bien voir, donc monsieur Kazi, il dit qu'il y a pour chercher l'autre en place. Donc, on peut comprendre que qu'on y a un député aux abois parce qu'il y a besoin d'un leader d'abord pour commencer à prendre des processus. Dossier, par exemple, Israël, là, son dossier que le Congrès est capable de passer sous lui, mais il n'est pas passé sous lui tout le temps par le président. Dossier et Ukraine, non, son dossier qui est capable de passer sous lui, mais il n'y a pas faire celui tout autant que par le président. Donc, c'est comme ça. Fait. Nous parlons de plusieurs manifestations qui déroulent en Moyen-Orient. Et même en faveur Israël, en faveur Palestine, mais il y a des manifestations qui déroulent tout en faveur Israël, surtout aux États-Unis, par exemple, dans le campus Columbia University dans New York, il y a
manifestation les deux côtés, palestiniens anti palestiniens et pro-palestiniens et pro-Israël. Donc nouvelle ça va aller va parler de lui et puis manifestation qui déroulée au contre et en faveur palestiniens. Gentil Augustin va parler nous de manifestation ça puis gain tout Jacqueline lui-même et capteur la carte jeudi en bénin pour prendre une réaction faire un dossier sous situation dans moi dans côté nous gain ancien collègue nous et leader politique clan extrême qui bloqué mais il dit que dans déclaration de la presse il dit que lui en sécurité mais pour qui Israël a un peu difficile plusieurs pays déjà organisé les évacuer citoyens. Et jeudi, l'Australie a fait li, et les États-Unis ont annoncé tout le même tout. Jeudi, avec la commissaire, les vols privés, des vols charter pour évacuer les citoyens américains qui ont parti quitter Israël pour entrer la CAIO, l'Argentine, Mexique, Chili, et puis le pays qui déjà évacué les citoyens qui débloqué en Israël. Mais c'est bon, bah, c'est aussi facile. Pour quitter Israël, je veux dire qu'ils n'ont vraiment conflit que même l'autorité par contre qui laisse à finir. Et ça n'a pas dit que là, en Haïti, il y a eu une réunion haut niveau, c'est une délégation aux Nations Unies qui est allée en Haïti, qui a rencontré avec le Premier ministre Ariel Henry. Et bien, on a rencontré ça, ils ont discuté sur, et d'abord sur la force multinationale qui est pour venir. Et en Haïti, que Kenya a de prendre le mais on a pris une décision définitive de Parlement Kenya avec un tribunal d'appel qui peut prendre une décision et à partir du 24 octobre pour dire si ou non il y a autorisé Kenya a dirigé mission ça. Mais il y a eu discuté plusieurs questions sur plusieurs sujets, sur force ça, question de sécurité, climat, tout ça. Donc, il y a eu fait discussion. Donc, délégation. Et il parlait des situations politiques, la climat, même qui en saillé. Parallèlement avec la mission ça, dans l'OEA, tout, il y a une autre rencontre. C'était le conseil permanent et l'OEA qui était réuni tout sur le dossier Haïti avec le Dominicain. Donc, le ministre des Affaires étrangères et Dominicain était présent et représentant Haïti dans l'OEA, on a parlé l'ancien directeur président national là, et Charles, Léon Charles, et bien, qui font des déclarations que tout le monde a battu bravo pour lui. Il dit que parce que monsieur dit que. Et construire le canal a fini. Et le ministre des Affaires dominicain, sous bon parler, dit que le pays n'a pas gagné avec Haïti. Il n'y a pas aucun problème avec Haïti, il n'y a pas besoin d'aucun conflit avec Haïti. Mais il était quoi que Haïti ait construit le canal sans battement de l'autorisation. Et donc, ce que le gagne, c'est que les dégâts que le canal a fait capable de causer sur l'environnement, ni la Cali, ni beaucoup de Haïtiens. Entre temps, beaucoup de Haïtiens, le sujet a continué, nous continuons à construire le canal là. Et ils ont insisté pour dire que le canal là, et l'a construit, et c'est pas le gouvernement, c'est la population, même la communauté haïtienne qui est à l'étranger, qui a porté bourré, qui a baillé pour cotiser, pour aider, permettre que le canal soit construit. Rappelez que Dominique Guin a actuellement 12 branches que vous prenez dans la rivière Massacre, là, que les rivières de Habon, et nous-mêmes, nous, les rivières Massacre, à cause de l'histoire qui est passée, eh bien, construction l'a continué, mais jusqu'à présent, et Haïti, par exemple, il y a un groupe d'ingénieurs qui vient là-dedans et qui voulait assurer que la construction allait respecter les normes. L'offre fait un peu de l'eau descend dans la ville gazée, c'est un problème qui va arriver pour le monde qui est en bas, dans pleine marée, alors que c'est pour eux à construire le Canada. Il y a tout le Canada avec CARICOM, le Canada a organisé une rencontre avec CARICOM sur le dossier Haïti. Et dans le dossier ça, ils sont capables de le 17, du 17 au 19 octobre. Et on va discuter de question Haïti à même crise là. Et bien, il y a un acteur politique qui est invité. Et mais nouvelle pas dit si effectivement et Premier ministre Ariel Henry à présent dans un compte là. Et Nabdou entre temps au Canada tout l'ouvre porte là de façon limitée bien sûr pour y accueillir 11 000 immigrants haïtiens, colombiens et vénézuéliens, dans un programme humanitaire spécial pour permettre aux gens qui ont une famille, papa, maman, petite, grand, et tante, grande, et puis madame, mari, qui sont citoyens canadiens ou bien qui ont un résident permanent au Canada, et bien, ils peuvent appliquer pour les gens qui ont bénéficié de visa. Et une fois qu'on rentre, et bien, on rentre directement sur le programme visa
permanent pour être capable de résidence pour être au Canada. Pense à le programme Biden, la preuve aussi toujours, et le monde continue à rentrer et le gouvernement américain continue à accueillir ou bien encore à prouver le monde pour venir. Et cependant, il y a quelques petites situations là-dedans, en tout temps, d'après ça, je connais deux ou trois nègres armés qui étaient membres de gang armée qui ont même déjà une approbation pour voyager. Vin dans le programme, non, mais malheureusement, pour prendre la patia, la position de M. parce que vous avez suivi M. et vous avez arrêté M. Sarah qui était membre du groupe armé, que ce soit ce groupe Vitellon ou bien 400 Maozo, qui a été passé par le Cap Haïtien, qui a été passé par Port-au-Prince. Mais petit groupe, ça, il n'est pas arrivé, mais quand il y a l'autre qui est arrivé, tout, mais peut-être la police n'a pas de connaître, donc on ne sait pas. Voilà, mes amis, c'est la situation, et je dis à ce vendredi 13. Et c'est moi qui a présenté nos programmes aujourd'hui. Et Jacques Lacalle aujourd'hui, c'est le jour que je suis plus content dans ce moment-là. L'aile cite à Lacalle de travail. Donc très certainement, Pita Michel qui peut lui faire parler avec nous tous. Les mêmes tous sur l'autre grand pour dominer l'actualité. La ville parle avec nous. Tout même j'en m'a fait avec nous là, la qui peut venir. Et puis, je vous présente pour passer un très bon week-end. Visitez, restez avec nous sur toute la plateforme pendant le week-end, parce qu'il y a une petite nouvelle bonne sur ce qui a passé, surtout dans le Moyen-Orient, avec l'autre point qui a devenu actualité, qui mérite attention. Et Sandra, la chef service star, et maintenant avec Jensi, avec Richard Rodriguez, et puis Gensi, François Michel, tout qui a travaillé sur nous, sur manifestation qui a fait à travers le monde arabe, surtout en faveur des Palestiniens. Et manifestation a déroulé. Et jeudi vendredi, à l'occasion prière vendredi, que normalement les musulmans font juste ça. Je vous dis passez un bon week-end. Et comme je dis, c'est vendredi. Donc si vous conduisez, vous n'avez pas à consommer alcool. Et si vous consommez alcool, vous n'avez pas à conduire. Mais dans ce sous passager, tout, vous assurez à nos machines que mon chauffeur sont qui consomment alcool. Nous pouvons après lundi encore, dans le même petit que ça encore. Nous avons un week-end tout, ça dépend si on a l'autre bail qui va en domination d'âme capable de venir et puis venir participer avec nous. Bon week-end tout le monde, on a parlé. Bye bye.